Durant le mois de septembre, la compagnie de marionnettes Les Croquettes a présenté sa nouvelle création à un jeune public très attentif. Le spectacle Jaguar plante un arbre est joué par Teresa Benson et Eliane Langeais. Ça, c'est la création de cette année, Jaguar plante un arbre. Ça parle des arbres, de la préservation des arbres, du respect des arbres, mais évidemment sous forme de conte. Certains spectacles, on s'inspire de contes connus, qu'on transforme parce que rien n'est écrit pour le théâtre marionnette. Et pour cette création-là, pour Jaguar, nous avons entièrement inventé l'histoire. Et ce n'était pas du tout facile parce que, voilà, partir d'un thème comme ça, sans être trop didactique, rester quand même dans le domaine du rêve, de la poésie, c'était pas gagné d'avance. On a eu des très très bons échos, les gens qui sont venus étaient ravis. Et puis voilà, on espère que Jaguar va encore bien tourner un peu partout. L'association, dont le but est la promotion du théâtre marionnette, ainsi que l'accompagnement au travail des marionnettistes, propose dans tout le canton de Genève multitude de spectacles. Ça s'adresse aux enfants dès 4 ans jusqu'à point d'âge. Les adultes adorent, les grands-parents aussi. Et on tourne dans tout le canton de Genève, effectivement. On a donc un programme de saison. On travaille en collaboration avec des communes qui nous laissent les communes à la disposition. Ce qui fait qu'on peut, par ce biais, avoir une saison complète et tourner les spectacles plus anciens qu'on présente au public. Des spectacles à découvrir tout au long de l'année et qui feront s'émerveiller les grands comme les petits.